Le carnaval, c'est une fête. C'est une fête que l'on se donne à soi-même. Donc nous, on donne simplement, quand on organise un carnaval, les gens organisent un carnaval, l'occasion au peuple lui-même vient de s'amuser, de venir. Il n'y a plus de différence, on est là pour s'amuser. Je déclare, sous l'égide de monsieur le député maire, le carnaval d'Ajaccio ouvert. Le premier qu'on a fait, on l'a fait en 82 et on l'a fait jusqu'à ce que la tribu de Dufourien y tombe en 92. Et après, on est resté 20 ans sans en faire, on en a refait un autre, mais une fois seulement en 2002. Ça me fait énormément plaisir pour ma ville, pour tous ces gamins et j'espère que ça va continuer pour eux et pour Ajaccio. Je suis en charge des festivités et j'ai la chance d'avoir eu cette noble mission puisque c'est la fête des enfants. C'était dans le programme électoral, chose promise, chose due. Nous voilà de retour. C'est une première année, c'est une première édition. Avec la volonté des gens, les vingtaines d'associations qui sont à nos côtés aujourd'hui, le carnaval c'est la fête du peuple. Les grands acteurs c'est les Ajacciennes et les Ajacciens, c'est les gens qui rayonnent au-delà, je vous l'ai dit, les gens de la Capa, les gens des villages. Je ne crois pas qu'il y a plus grande fête populaire qu'un carnaval, donc aujourd'hui tous les gens sont là pour nous le prouver. Nous sommes à l'aube d'une longue série de carnaval à Ajaccio et on veut absolument miser sur du court séjour de manière à l'année prochaine vendre le carnaval d'Ajaccio comme on peut vendre le carnaval de Nice. Sur le char numéro 1 pour le carnaval d'Ajaccio.